C'est un... Serre les jambes, peut-être tu fais ventouse. Je raconte des histoires, vous les aimez jolies ou cochonnes? Les deux hypocrites, va alors, ton deux. Les... Ça va, putain, on dirait un abat-jour ce que tu as mis, bébé. C'est bien. Elle se fout plus de sa gueule que moi, tu sais. Moi, je suis gentil, je suis souple. Qu'est-ce que tu fais? Tu pisses ou tu pleures, toi? Putain, fais gâter, ça va quoi? Putain, il faut pas la merder l'autre. Ça, le premier myope du cerveau. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Ça va? Ça va, papy? Mon Dieu, on l'a sorti. Mon Dieu, Sylvie Vartan. Ah non, Johnny Hallyday. Tu vois, lui aussi est autoreuse. Vous êtes ensemble? Ça fait longtemps. Hein, ça sent la fatigue. Allez. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as dit une connerie, vas-y. Quoi? Mais vas-y, lâche-toi. Et tu crois que je m'en souviens? Tu as dit une connerie, quelque chose de bien, j'espère. Hein? Ne suce pas ton doigt, c'est comme ça que j'ai commencé. Oh putain, Gojax! Alors, comme tout le temps, je raconte toujours cette blague, c'est pour vous, hein? Mais c'est pas la blague, elle n'est pas pour vous, c'est une blague! Et on va pas s'enfamler, là. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Hein? Je suis pas candidat, je parle à elle, ils m'ont jamais rien dit. Il se croit à l'école, tu sais, il devait faire des conneries à l'époque. Tu vas faire un pipi derrière, c'est pas là, bébé, hein? Oh putain, la table de la couture, hein. Mon Dieu, Fifi, présente. Donne-moi un autre micro, je t'applaque. Regardez les journaux demain. Vous allez voir un homme un peu corpulent en train de se maquiller, crise cardiaque. C'est ce métier, bon, avant j'étais cuistot, après serveur. Et un jour, je travaillais dans un dîner spectacle en tant que serveur et j'en aimais. Et un grand monsieur, un grand transformiste qui s'appelle Mandarine, qui m'a appris ce métier d'être moi. Parce que j'ai dit, le mec il me dit, oh, dans la salle, tu... alors on parle en franc, hein, il y avait 25 ans, dans la salle tu gagnes, on va dire, un petit prix, parce que tu gagnais plus avant que maintenant. En plus c'est vrai. Et il me dit, allez, tu fais l'ambiance, tu rigoles tout, avec tout le monde, et tu gagnes 10 euros. Tu montes sur la scène, tu en gagnes 100. Oh putain. J'ai raconté ça à ma femme, parce que je suis marié, hein, deux enfants. C'est de la parade, hein. Je n'ai pas du cul dans la rue, hein. Je ne vais pas au champ comme ça. Il me dit, allez, monte sur. Je dis, mais oui, d'accord, mais je ne peux pas, je suis timide. Dans un serveur, c'est pas timide, parce qu'on est dans le noir. Mais là, on est éclairé, vous regardez tout, hein. Et il m'a dit, maquille-toi. Et c'est, je suis devenu un ego kincho comme ça. Et normalement, je finis, par comme je commençais, je finis discrètement, en train de dire peut-être un texte, je veux vous dire, quand dans la salle, tout s'éteint, et que les décors s'illuminent, apparaissent étranges pantins. Ce sont les acteurs qui s'animent. Un jour ici, demain ailleurs. Et pour le pire et le meilleur, ils sont tous les soirs sur la scène. Aussi, qu'ils vous plaisent ou qu'ils vous irritent, accordez-leur au moins ce mérite d'être tout simplement des artistes. Merci beaucoup.